Je me trouve horrible. Bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. C'est même pas ça mon intro. Coucou mes puces, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo qui va être une FAQ. Donc, je vous ai demandé sur Instagram. Détends-toi là. Le refaire parce que c'est horrible. Coucou mes puces, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une FAQ. Donc je vous laisse avec le générique. Peace. Ok. Donc je vous avoue, j'ai pas regardé les questions. J'ai pas du tout regardé les questions. Genre, je me suis dit, allez Jojo, on va aller au pif. Genre, je vais prendre toutes les questions et je vais lire toutes les questions. Donc c'est parti. Première question. Tu réponds au message privé Insta, sinon gros bisous, je t'aime super fort. Je vous montre qu'il y a plein de questions. Ben merci beaucoup. Donc c'est Méléane, Jennifer. Ben merci à toi. Et oui, je réponds. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de messages, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Donc voilà. Ensuite, Colin Valentin. Je t'aime trop, toi. Vous vous êtes rencontrés comment avec Jean-Luc? PS, vous êtes les meilleurs. Jean-Luc et moi, on s'est rencontrés. Et je ne vais pas répondre parce que je vais te laisser aller voir. On a fait une vidéo exprès pour ça où on parle de notre rencontre. Donc je vais te laisser aller voir la vidéo. Sorry. Ensuite, on a Julie qui dit, t'es de quelle origine? Moi, je viens de La Réunion et du Cameroun. Voilà. Ensuite, il y a Fleury qui dit, pourquoi tu es si gentille? Sinon, je t'aime grave. Merci, c'est trop gentil. Mais c'est toi qui es trop gentil déjà. Pourquoi je suis gentille? Je sais pas. Je suis trop la meuf. Je sais, je suis trop. Non, je rigole. Non, mais je suis normale, genre. Enfin, je sais pas. Je suis normale. Hey, tu m'intimides là. Ensuite, on a Jalan qui dit, coucou Jojo, tu es la meilleure. Je t'aime plus que tout. Mais j'aurais trop aimé te voir. Tu es la meilleure. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Du coup, c'est pas une question, mais moi aussi je t'aime. Ensuite, oh. Ensuite, on a Leila 94 qui dit je t'aime ma vie, moi aussi je t'aime. Ensuite, je continue. Donc, attendez, j'ai reçu une notification. Ensuite, il y a Asia qui dit est-ce qu'un jour tu feras un meet-up à Nantes? Honnêtement, Nantes. C'était pas dans nos projets, mais pourquoi pas. Ensuite, on a Maria, elle a dit, quels sont tes projets? Bisous. Ben, nos projets, c'est de faire plein de meet-up. Donc, on va attendre plutôt faire la période d'avril, parce qu'il va faire beau. Donc, on va commencer plein de meet-up avec d'autres TikTokers. Donc, voilà. Après, il y aura des meet-up aussi, il n'y aura que Jean-Luc et moi. Voilà, vous allez voir nos grosses têtes partout, dans toutes vos villes, là. On va venir partout. Ensuite, on a Nisha qui dit, tu as quel âge perso? Moi, 9 ans. Oh, c'est trop chou. Et ben moi, j'ai 23 ans. T'es grave ma petite sœur, genre. Ensuite, on a Zina, elle a dit, est-ce que vous pensez à faire un meet-up partout dans la France? Bah du coup, je viens de répondre. Ensuite, on a GG The Best qui dit, t'es trop belle. Merci ma vie, t'es adorable. Ensuite, on a Kadiop qui dit, je t'aime. Moi aussi. Ensuite, on a Ado, pardon. Qui dit comment Loïc et toi vous êtes rencontrés. PS, t'es la best. C'est un tout petit peu gênant. Parce que il s'appelle Jean-Luc. C'est hyper gênant. Il s'appelle pas Loïc, il s'appelle Jean-Luc. Mais c'est pas grave. Et moi, je connais pas de Loïc. Enfin, à part Loïc, mon pote. Mais je pense pas que tu parles de lui parce que je l'ai jamais mis nulle part. C'est trop gênant. Qui est le plus gourmand entre toi et Jean-Luc? Ben c'est moi. Évidemment, genre, vous avez juste à regarder mes joues, genre, ça bouffe ici. Ensuite, on a Coralie qui dit, est-ce que tu pourras faire plus de vidéos? 24 heures, moi aussi je t'aime, bisous. Ben moi aussi je t'aime du coup. Et faire plus de vidéos, oui. Franchement, je vais me relancer sur YouTube vraiment à fond. Vous faire des vlogs, même vous faire des journées juste avec moi. Après, je fais pas des trucs de ouf, hein. Parce que je vais pas vous mentir, je suis une grosse casanière. Genre, je reste grave chez moi. Genre, vraiment, je reste dans ma chambre clouée. Vraiment.
Et la seule chose qui me divertit vraiment, c'est les réseaux sociaux. Sinon, vraiment, je suis vraiment quelqu'un qui reste vraiment à la maison. Après, bon, là, j'ai re-eu des connaissances, des amis d'avant, d'enfance, qui sont revenus dans ma vie. Donc, du coup, ils habitent dans ma ville. Donc, c'est plus facile. Du coup, je sors un peu plus. Mais sinon, c'est vrai que je suis une grosse casanière. Voilà. Donc, ensuite, Marie. Elle dit, comment tu as fait pour avoir plein d'abonnés sur TikTok? Mais j'ai strictement rien fait, j'ai fait des TikTok et c'est monté. Il y a un TikTok à percer et puis hop, 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 hop. Genre, c'est notre deuxième TikTok qui a percé. Donc après, ça a fait boum, 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 boum et c'est monté jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on est 500 000, c'est énorme. Et moi, j'ai un TikTok toute seule, on est 100 000! C'est génial! Ensuite, il y a Kenza qui dit, t'es trop gentille et joyeuse. Merci, c'est gentil. Après, je suis pas tout le temps joyeuse, mais. J'essaye d'être le plus possible positif. Je sais que le positif attire le positif, du coup j'essaye de rester grave positif. Du coup je suis horrible parce que je parle avec mes doigts, du coup j'arrête. Du coup j'arrête pas de dire du coup. Et du coup voilà, j'essaye vraiment de rester. En fait j'essaye de toujours penser des choses bien et d'essayer de voir la vie positive. Même s'il m'arrive des malheurs, on va dire, bah, je retourne ça en positif, du coup bah, ça m'aide à avancer. Voilà. Donc fais pareil toi aussi, et faites pareil vous tous en fait. Ça vous aidera. Ensuite, on a une question de Fazuper qui dit, tu te maries quand et où? Alors, je me marie quand? Ben, je sais pas. C'est Dieu qui voudra. C'est Dieu qui permettra. Moi, je n'en sais rien. Ensuite, on a Asplastic qui dit, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Angélique et moi, on s'est rencontrés en 2012. Voilà. En 2013, on était au lycée. En seconde. Ensuite, il y a Nélissa qui dit qui est ta best? Best, meilleure amie, quoi, je pense. Ce mot, il peut me faire pleurer, wesh. Non, je n'ai pas de meilleure amie. Je suis. En fait, meilleure amie pour moi, c'est comme si c'était un couple. Du coup, je suis célibataire de meilleure amie. Je n'en ai pas. On a rompu. Voilà. Et là, j'ai mis un mauvais mood là, vous voyez? Là, vous ressentez le mauvais mood là? Du coup, on va changer de question très vite. Ensuite, Zinab qui dit, tu préfères Gabou ou Milan? Déjà, c'est Ilan, phobie, genre. Et pourquoi vous voulez faire des problèmes comme ça dans notre vie là? Je réponds pas. Oh, ça n'a rien à voir, c'est pas la même amitié et c'est pas pareil. Déjà, c'est une fille, elle, c'est un garçon. Non. C'est une fille et lui c'est un garçon. Ensuite, on n'a pas les mêmes liens. Moi, avec chaque per... en fait, avec chacun de mes amis, j'ai une amitié particulière. J'ai pas la même amitié avec l'un avec l'autre. Donc, Zinab, là, tu veux trop les problèmes. Ensuite, Cyrine a dit pourquoi Jean-Luc n'est plus sur la chaîne YouTube? Alors Jean-Luc n'est plus sur la chaîne YouTube parce que ça l'intéresse plus. D'ailleurs, il fait du bruit là. Il est plus sur la chaîne YouTube parce que ça l'intéresse plus, genre dans le sens où lui. Il préfère plus faire voilà, des TikTok et tout, ça le dérange pas. Mais il sera, genre quand je ferai des vlogs et tout, il sera là et tout. Mais sinon, faire des vidéos, face cam, tout ça, ça l'intéresse plus trop. Et ce que je peux comprendre, genre c'est pas son délire, c'est tout. Voilà. Mais il regarde mes vidéos. Et il like, il aime. Intérêt. Ensuite, il y a Gigi qui dit, t'es la meilleure, termine comme ça. Oh oui, j'aurais dû terminer comme ça. Ma fille, je t'aime. Ensuite. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a Tessa qui me dit, tu fais comment pour t'assumer? Alors, ouh, moi déjà, m'assumer. En fait, moi je suis quelqu'un, aujourd'hui je m'assume, demain je m'assume plus. C'est horrible dans ma tête, on est 46, il y a 40 Johanna, une qui s'assume, l'autre qui s'assume pas, enfin c'est horrible. Genre, moi je m'assume, j'essaye de m'assumer. Parce que je me dis qu'en fait, je suis comme ça et ça changera pas. Parce que je ferai pas de chirurgie esthétique, tout ça m'intéresse pas. C'est pas mon délire. Donc en fait, je me dis, Dieu m'a créé comme ça veut dire que je suis comme ça. Maintenant, je peux m'améliorer en faisant, par exemple, des coupes de cheveux que j'aime bien, des beaux habits que j'aime bien. Enfin, tu vois, c'est comme ça que tu t'assumes. Si t'aimes bien tes sourcils, bah, tu te maquilles tes sourcils. Si t'aimes bien ta bouche, tu mets du rouge à lèvres ou du gloss. Enfin, tu vois, moi, je pars du principe où c'est comme ça qu'on s'assume. Et moi, j'ai commencé à m'aimer parce que j'ai commencé à faire des choses que j'aime sur moi. Voilà. Je ne sais pas trop si vous avez compris, mais en tout cas, j'espère. Ensuite,
Quelle est ta pire bêtise? Ma pire bêtise, je pense que ma pire bêtise, c'est quand j'ai fait un doigt à ma mère, mais je l'ai déjà dit dans une vidéo. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je ferai une partie 2 parce qu'il y a archi plein de questions. Et du coup, je me dis que ça va être trop long, donc je ferai ça en 2 vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Je crois que vous avez appris un peu plus à me connaître. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous laisse avec... Bah, avec rien du tout. Je te laisse t'abonner, partager, commenter. Dire tout ce que tu veux dans les commentaires. Si t'aimes pas, pouce en bas. Si t'aimes, pouce en haut. Voilà. Et me donner des idées de vidéos que tu voudrais voir sur ma chaîne. Gros bisous, je vous aime fort. Que Dieu vous bénisse les bestes. Je vais entendre un amen. Oh.